Le défi, c'est de se faire passer pour un joueur du PSG à la Paris Games Week. Et pour ça, on va avoir une fausse équipe de télé qui va me suivre et deux gardes du corps. Vous supportez bien le PSG, j'espère. Bah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Salut Marcus. Monsieur, bonjour. Tu vas bien? Je viens te dire, je connais rien au foot. C'est horrible. Je ne sais même pas dans quelle équipe tu joues pour te dire à quel point je suis nul. Avec plaisir. C'est vrai, ça va pas être les meutes si je viens sur scène. Je pense que si, mais. Et ils vont pas se jeter sur moi. Non, ça va quoi. Non. Attends, le sabre, tu gardes alors? Tu gardes, tu arrives à la main, avec le sabre à la main allumé. Ouais. C'est rigolo. Non? Ouais, tu me le donneras, tu vois, je préfère que. Tu vois, je veux faire vraiment une entrée triomphante. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je veux faire vraiment une entrée où les gens disent waouh, c'est Mathieu Bodner. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Faire le test pour savoir combien je mesure sur les autocollants Panini. 1m84 pour 78 kg de muscles. Qu'est-ce que tu as pensé de mon match la semaine dernière? Incroyable! Oh là là! Bon, alors tu retournes dehors parce que je suis remplaçant. Allez, hop! Je ne connaissais pas Mathieu, je suis une grosse niche en football. Et je ne regrette pas de t'avoir rencontré, c'est quand même bah, une bonne chose. Ça fait plaisir. Et tu seras invité au Parc des Princes donc pour le prochain match. Super. Toi aussi, tu peux préparer avec nous les défis en nous rejoignant sur la page Facebook Gonzague Télé. J'ai un dernier truc à te dire, Marcus. Tout ça, c'était une grosse connerie. Et moi, je ne suis pas du tout le genre de foot, je suis Gonzague et je fais des caméras cachées sur Internet. Et je voulais te féliciter parce que depuis le début, en fait, il a été hyper sympa. Je suis désolé, je suis pas le joueur du PSG. Désolé, mademoiselle. Et depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de se vanter. Je suis joueur du PSG. Moi, j'ai une Ferrari. Tu comprends, je peux pas y aller se manger. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est quand même un sacré gros con. Oui, en fait, le vrai Mathieu Bodner est quelqu'un d'adorable. Voilà. D'accord. Tu veux pas qu'il y ait de rebond, tu bouges ton cul, c'est tout. Attends, ton problème, non, mais tu pas.